Bien le bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir comme ça à chaque semaine. Depuis au-delà de 25 ans, presque 28 ans maintenant, que je partage avec vous la richesse de la musique franco-canadienne et c'est toujours un plaisir de découvrir des nouvelles affaires surtout. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre un petit spécial avec les élèves de l'école Petit Kodiak. On va entendre les Hôtesses d'Hilaire, Sale Barbe. L'album de la semaine, j'attends le nouveau EP de Geneviève et Alain. Excellent album, vous allez voir. On va entendre aussi du Steph Paquette, Mick Lean, René Ray et bien d'autres. L'instrumental, Alexandra Streliski, entre autres. Et du côté de l'Ouest canadien, j'ai du Christian de la Luna, Prairie Como, Rihanna et bien d'autres. Restez là, je vous reviens dans quelques instants, bien sûr, avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Avec les élèves de Petit Kodiak Regional School qui ont travaillé très fort tout au long de l'année pour créer des œuvres d'art. Et aussi, ils ont écrit, joué et endisqué 15 chansons qui font partie d'un CD de musical original nommé Distantly Close. Sur ce disque, on retrouve une chanson francophone et qui s'appelle L'avenir démasqué et deux autres chansons bilingues. C'est aussi un projet fait par leur professeur Christopher Marcereau qui a travaillé très fort avec les élèves pour réaliser ce projet-là. Il y a aussi Christian Kit Gauguin qui est impliqué dans le projet. Je trouve ça le fun, je trouve ça fort intéressant et ça motive les jeunes à s'impliquer dans les arts et à prendre leur place, à s'exprimer. Et je trouve ça vraiment génial. Très, très beau travail. Écoutez, si on achète 25 CD, eh bien, on adopte un instrument de musique pour les jeunes. Donc, vraiment, c'est une belle initiative. C'est un beau projet d'art visuel, d'art médiatique, musical et tout ça. Je vais vous envoyer deux chansons. Je vais vous envoyer tout simplement « L'avenir démasqué » et « Achuzo », deux chansons dont les jeunes ont travaillé avec Christian Kit Gauguin et Christopher Marcereau. Et c'est vraiment génial. Et si vous avez la chance, s'il vous plaît, allez appuyer ces jeunes-là, allez chercher un CD, ça vaut la peine. Voici L'avenir démasqué et I Choose Hope. Il y aura des sourires, il y aura de la musique, des reflets de beauté, des rayons de couleur. Sur l'île de l'avenir, je danserai dans le vent, près de mon château de sable, sculpté par le silence. On pourra se visiter, on pourra se rassembler, on pourra voyager. On pourra se visiter, se rassembler, voyager dans l'avenir démasqué. Un rayon de soleil.
In the darkness, there's a reason for looking for light. There's a cure. Une chanson francophone, quelques chansons bilingues. Et lorsqu'on achète des CD, ben, ça ramasse de l'argent pour acheter des instruments pour que les jeunes puissent vivre, triper et se développer en art visuel et en art musical. C'est tellement important et moi, j'aime ça, je les aime, je les adore parce que j'aime ça encourager les jeunes. C'est nos leaders, nos artistes de demain. Il faut encourager ça. Donc, bravo encore une fois avec ce beau projet-là. Je vous donne un numéro pour avoir de l'information. 506-756-3104. Si vous le pouvez, allez acheter au moins un CD. Si vous êtes 20, 200, 300 à acheter des CD, ben, ça va aider ces jeunes-là à pouvoir se procurer des instruments de musique et vivre et triper en français. Ou en anglais, peu importe, mais triper au son de la musique. Donc, c'est vraiment important.